Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est pour la présentation du mode More Piston. Alors je vous cache pas que je me suis éclaté avec le piston, le dernier piston que je vous expliquerai plus tard. Avec ça, un souffleur pour animaux et mobs qui vous donne de la viande et tout. Je suis sadique là, c'est vraiment dégueulasse. Bon, alors, je vais vous montrer les capacités des nouveaux pistons. Alors, bon merde. Alors celui-là pousse deux de haut. Celui-là, la même chose, sauf que c'est sticky, normal et sticky. Celui-là pousse 3 de haut. Celui-là pareil, sticky. Celui-là pousse de 4 de haut. Celui-là sticky qui pousse 4 de haut. Et celui-là, c'est un piston spécial que j'adore. C'est comme dans le mode où ça vous propulse en l'air. Donc bien sûr avec 4 pistons comme ça. Ça vous propulse 10 fois plus haut. Regardez. Ah. Je récupère celui-là en même temps. Alors, je sais pas si on peut tous les activer comme ça. Alors, je vais juste vite fait prendre l'hardstone pour vous montrer. Allez, et vous voyez que ça vous prend plus 10 fois plus haut. Voilà. Donc, revenons-en au vif du sujet. Voici le souffleur pour animaux. C'est vraiment trop dégueulasse ce que j'ai fait. Hein. Mais bon, je... Dans Minecraft, je vous ai dit, on peut être sadique, mais là, c'est vraiment la limite du sadisme. C'est plus que sadique. On va croire qu'on déteste vraiment les animaux ou mobs. Mais c'est... Non, franchement, honnêtement, c'est pour l'éclate. Donc, je vais... De toute façon, ça risque de bugger un peu, parce qu'il y aura pas mal. Bon, je vais faire spawner le... Allez, spawn cow, par exemple, de la vache. Et on va mettre 100. 100 vaches. Donc, vous voyez, donc ça gigote. Donc, on attend... que ça passe dans le souffleur, dans la machine du souffleur. Donc vous voyez, ça vient. Donc non, en général il crache pas directement là. Vous allez voir, c'est marrant. C'est avec les blocs gravitationnels, donc vous allez voir. C'est franchement marrant. Donc c'est vraiment dégueulasse ce que je fais. Hein. Ça c'est vraiment un truc dégueulasse. C'est même pire que ça quoi. C'est vraiment trop dégueulasse. Alors franchement honnêtement, on attend juste que toutes les vaches passent. C'est pas de marrant. Vous voyez déjà, elle se sert hyper fort. Donc là, on va récupérer les loot ici. Donc, tous les loot vont tomber là. Attention, on attend. Allez, petite. Il y a toujours une qui est coincée dans le bloc. C'est ça, c'est toujours presque sûr. Ça, enfin, pas très très important. Voilà. Et la dernière, donc. Allez, casse-toi la gueule. Et maintenant, nous allons... Regardez, j'ai mis un pulseur pour plus de fun. Et voilà, un souffleur à animaux. C'est vraiment dégueulasse ce que j'ai fait. Je sais pas pourquoi il y en a un qui s'échappe. Parce que des fois, j'ai oublié de mettre des trous. Regardez, moi, maintenant, on voit à la place des vaches, c'est de la viande. Vous voyez, ça vole. Encore la dernière, voilà, elle est passée à la casserole. Toute la viande, regardez-moi ça, c'est de la viande qui vole. C'est abusé. Impressionnant. Alors j'arrête le système. Donc pour arrêter le système, tout simplement vous cassez la redstone. Alors vous la récupérez. Là pour l'instant, c'est bizarre, tiens, j'arrive pas si à la récupérer, bon pareil. Voilà. Je fais ça comme ça. Et après, une fois que vous avez toute la viande qui est en bas, hein, hop, vous allez tout simplement activer ceci, le levier qui va vous distribuer toute la viande gratuitement. Simplement. Je sais pas comment ça se fait qu'il y en a qui ont réussi à passer, il doit y avoir un trou. Quelque part, en général, il passe pas. J'ai fait l'expérience avec des creepers et là, voilà, on a la viande. C'est très très efficace. Ça permet d'avoir énormément de loot, peu de temps, très peu de temps. Mais c'est super super efficace. Vous verrez, enfin, il y a pas photo quoi, c'est super efficace. Alors, je vais essayer quand même de chercher le trou là, parce que c'est pas normal qu'il y en a qui se sont échappés. Je trouve ça lui est un bug. Ils ont peut-être traversé le bloc. Ça m'aurait étonné quand même. Non, bon, je pense pas. Alors maintenant, on va faire la même expérience, mais avec un peu... C'est un peu plus risqué. Mais bon, on s'en fout. Parce que c'est des creepers, bien évidemment. Mon cher ami creeper. Alors... Spawn. Creeper. On va aussi m'en mettre 100. Voilà. Nos chers amis se battent. Ils veulent tous passer à la casserole. On va tous avoir pas mal de têtes. Allez hop, crevez, bande de salopards.
Alors, il y en a un qui est toujours encastré dans le bloc, vous voyez, c'est... Bon, enfin... Voilà, c'est beau les creepers. Tout ça ici, ils peuvent pas... S'il faut pas trop s'en approcher là, parce que ça risque d'exploser quand même. Parce qu'on est vraiment à un bloc, donc évitez. Alors... celui-là il veut pas passer, on s'en fout, c'est parti. Et voilà, regardez la pluie des creepers. Il pleut des creepers. C'est vraiment un souffleur parce qu'on voit vraiment tous les mobs qui des fois ils vont jusqu'en haut. Hein. Il y en a qui ont déjà atteint tout en haut, même plus. Regardez, c'est beau. Et là on voit toute la poudre. On voit tout l'art du creeper quoi. Alors on arrête la machine. On met les loot. Ça c'est parti et voilà tous les loots restent bloqués, je sais pas pourquoi. Bon, enfin en tout cas on les a, c'est bizarre comme qu'ils restent bloqués là les loots. Oh, enfin en tout cas avec les vaches vous avez vu ça bien fait, ça bien fait. Donc j'espère en tout cas que vous aurez aimé cette vidéo. Le mode se trouve sur minecraft.fr, vous irez le chercher, ça s'appelle More Piston. Voilà, donc juste pour l'éclat. Une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ceci. Un ascenseur que je me suis créé moi-même avec le mode More Piston. C'est vraiment pas mal. Ça donne vraiment un beau rendu. Regardez, on appuie sur le bouton. Voilà, et voilà, on se retrouve en haut en moins de 2 secondes. Que dire, hein. Surtout avec des délayeurs, ça joue avec le temps. Mais franchement, la meilleure invention souffleur, là, ça fait vraiment... Ça j'adore, franchement c'est super bien fait. Donc voilà, donc j'espère, n'hésitez pas à aimer la vidéo, hein. Mettez des commentaires. Allez hop, au revoir.